Sarah du podcast By Alex and Mia. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Ravelry, sous le pseudo plutôt By Alex and Mia. Je vous souhaite la bienvenue si c'est la première fois que vous regardez un de mes podcasts ou bon retour si vous êtes une personne qui me suit sur mes diverses aventures tricotesques. Nous sommes le 25 mars, il est 7h moins le quart, donc autant vous dire que la lumière est plutôt pourrie. C'est la troisième fois que je tente d'enregistrer ce podcast, donc j'espère que cette fois-ci je pourrai aller jusqu'au bout et que cela fonctionnera. Donc, c'est la troisième fois que je tourne ce podcast. Je le tourne dans l'endroit que vous connaissez d'habitude, mais qui a plutôt changé, puisque dorénavant, mon atelier est dans une autre pièce. Mais lorsque j'ai tourné la première fois le podcast, il y a eu un décalage entre le son et l'image. Et donc, du coup, c'est une nouvelle caméra et avec mon Mac, a priori, ça ne fonctionne pas très bien. Donc, je suis remontée ici pour le faire avec le PC. Et bien entendu, voilà. J'ai la vue du PC d'un côté, la caméra de l'autre. Donc, j'espère que ça ne sera pas trop brouillon et que vous arriverez à me suivre parce que je pense que je ne regarde pas au même endroit tout le temps. Et j'espère que ce ne sera pas trop perturbant. Voilà. Enfin, nous rentrons dans le vif du sujet qui est le tricot. Que vous dire sur le tricot? Dans un premier temps, je voulais un petit peu vous raconter l'AEF. Donc, je suis allée à l'AEF. Je serai assez brève sur le sujet puisque j'ai passé un moment extraordinaire où j'ai rencontré des gens extraordinaires. J'ai vu des choses extraordinaires, mais je pense que bien d'autres personnes ont déjà pu raconter le podcast, n'importe quoi, l'AEF de long en large. C'était la première fois que je m'y rendais et j'ai trouvé ce moment vraiment chouette. Je ne pouvais pas y rester malheureusement très longtemps. Je n'ai pu y aller que le samedi matin jusqu'au petit début d'après-midi, puisque j'étais chez ma sœur qui gardait ma fille. Et du coup, je m'étais fait une feuille de route avec tout ce que je voulais voir. J'ai pu voir et faire tout ce que je souhaitais. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc je vous montrerai en fin de podcast mes achats que j'ai faits lors de l'AEF. Et voilà, donc enfin, je suis vraiment ravie du moment que j'ai pu passer au sein de l'AEF. Voilà. Ce que je vous propose, c'est de rentrer directement dans le vif du sujet du tricot, qui est donc dans un premier temps mes projets terminés. J'ai le fait d'avoir décalé le podcast, hein, du coup j'ai trois projets terminés. J'ai l'impression que vous me voyez flou, mais j'espère que ça va. Est-ce que là, vous voyez? Ça a l'air d'être un peu mieux. Je pense que c'est la lumière et l'ambiance de ce côté qui sont pas géniales. Bref. Donc, tout ça pour dire que j'ai trois projets qui sont terminés. On va faire dans l'ordre. Le premier projet que j'ai terminé, c'est une paire de chaussettes. Donc, je vous ai dit cette année, j'ai décidé, d'un commun accord avec moi-même, de me faire un petit challenge chaussettes sur toute l'année 2018. Donc, l'objectif, c'est de castonner chaque mois une paire de chaussettes. Si elle n'est pas finie sur le mois en cours, c'est pas grave. Vous verrez, mes chaussettes du mois de février ne sont pas terminées. Et comme je vous dis, on est le 25 mars et je n'ai pas encore castonné celle du mois de mars. Mais ça ne saurait tarder. Donc, j'ai terminé les chaussettes du mois de janvier. C'est des chaussettes toutes simples. Donc, du jersey. Là, je sais pas, ça rend pas trop. C'est à peu près ça les couleurs, même si je pense que le fuchsia ici est un petit peu moins soutenu que ce que vous voyez à l'écran. Donc j'ai fait les chaussettes basiques que j'adore faire, c'est-à-dire que je monte 64 mailles. Là j'ai fait des côtes de 2. Voilà. Ensuite je continue, je vais vous montrer comme ça. Je continue donc sur la longueur désirée. Donc cette partie généralement est plus ou moins grande en fonction de mon envie. Arrivé ici, je fais un fish lip skissing. Donc le petit fish lip skissing. Et ensuite, je continue. Donc là, pour le coup, c'était ce que je souhaitais, hein, en jersey, donc jusqu'en bas. Et ensuite, je fais la pointe de pied des Hermione Everyday Socks.
Voilà, donc ça c'est la paire de chaussettes toutes. Vous voyez, je n'ai même pas rentré les fils, ouais, je n'ai pas fait le rafting du coup. C'est la paire de chaussettes ultra basique qui va vite, qui monte vite, qui est plus ou moins grande en fonction de la taille que je souhaite faire sur la partie du mollet. Je les ai faites donc en aiguille 2,5 et la laine c'est de la Scrumptious Pearl et le coloris c'est Tiny Dancer. Donc je les avais achetées il y a un petit moment sur son store Etsy et qu'elle traînait. Donc ça permet de déstacher un petit peu. Sachant que donc cette paire-là, il me reste assez pour faire une seconde paire de chaussettes, donc soit des sockets, soit une grande paire comme ça que je couplerai avec une autre couleur. Généralement, je vous montrerai, c'est ce que je vais faire pour celle du mois de mars. J'utilise de la laine à chaussettes blanche et je fais voilà, une paire de chaussettes bicolores, enfin plus que bicolores, puisque il y a l'autorayant et le blanc. Les chaussettes, du coup, comme j'ai décidé donc de ce nouveau petit challenge perso de chaussettes, je m'étais mis depuis longtemps des modèles de chaussettes dans ma queue Ravelry et ça m'a permis de refaire un petit peu, de refaire une passe un petit peu sur les patrons que j'avais donc dans ma queue Ravelry. Et en fait, je me suis rendu compte, c'est un avis tout à fait personnel, que c'était un petit peu juste abusé les prix que certains designers mettaient sur leurs patrons de chaussettes. Parce que clairement, une paire de chaussettes, ça, enfin, c'est tout con, hein. Vous montez 64 mailles, vous faites des côtes de 2, tout en jersey, vous faites le fichlet et la pointe, enfin, bon, c'est ce que je fais, la pointe du Hermione's Everyday Socks. Et voilà, ça vous a coûté 3 francs 6 sous le patron. Mais là, il y a des patrons qui montent jusqu'à 8-9 dollars. Clairement, c'est le prix d'un patron pour un pull ou un châle, donc je trouve ça un peu déconnant. Du coup, j'ai fait un énorme tri et j'ai gardé des patrons, soit des patrons gratuits, soit des patrons entre 3 et maximum 5 dollars. Ce qui a des belles choses, donc je dis pas qu'il faut pas acheter des patrons à chaussettes, c'est pas ça, mais j'ai trouvé que c'était un petit peu déconné quand même. Voilà. Donc c'était mon petit coup de gueule sur les patrons à chaussettes, où je trouve que c'est un petit peu déconné quand même à certains moments de vendre des patrons si chers pour des chaussettes. Parce que moi clairement je l'ai fait une fois, je l'ai fait, enfin, sauf ça, parce que c'est un standard, mais les patrons qui ont un joli design, je l'ai fait une fois, pas deux en fait. Bref, voilà. C'était mon petit coup de gueule sur le patron à chaussettes. Donc ça, c'était mon premier projet terminé. Mon deuxième projet terminé, enfin, c'est ce fameux châle donc, qui est le Gardenia Wrap. Donc je vais essayer de vous le montrer. Donc je n'ai pas encore rentré les fils, bien sûr. Donc on part ici, on a une petite pointe qui est ici. Et ensuite, on monte et donc on est en deux color blocks plus la dentelle que moi donc j'ai fait noir et ensuite hop on redescend sur cette pointe donc bon finalement les petits points les petits trous se voient plus que ce que je pensais donc c'est toujours sympa. Note pour moi-même dorénavant j'utiliserai si j'ai envie de le refaire une taille au-dessus pour que ce soit mieux. La dentelle, elle se voit, ça va, surtout celle du milieu. Et donc, pour rappel, parce que j'en ai pas mal parlé, mais bon. Hop, ce coloris ici, qu'on voit pas, la caméra ne rend pas justice à ce coloris, mais bon. Ce coloris, c'est, enfin les trois laines en fait, hein, c'est de la Malabrigo Soc. À la limite, là, comme ça, vous voyez, c'est plutôt bon coloris. Le coloris qui est vert d'eau, donc le water green. Vous avez donc le noir, le water green, le noir encore et le pearl. Donc enfin, je l'avais gardé de côté pour vous présenter le temps du podcast. Je n'ai plus qu'à rentrer les quelques fils qui trénouillent, notamment voilà ceux qui sont peut-être ici.
qui sont surtout là pour la fin. Et enfin, l'offrir à ma mère, qui, pour rappel, ceci est son cadeau de Noël. Donc voilà, faut pas désespérer, il est bloqué, il est fini. Je ne le referai plus jamais, par contre. Voilà, autant j'ai fait un deuxième mascotte, autant clairement celui-là, je ne ferai pas un deuxième. Outre le fait que, sachant que j'ai tricoté avec des aiguilles plus petites, j'ai dû monter je ne sais combien de rangs supplémentaires parce que je voulais absolument utiliser toute la laine, au moins les deux couleurs, hein, parce que de la noire il m'en reste, mais au moins celle-ci et celle-ci, je voulais vraiment les utiliser à fond. Donc c'est chose faite, hein, mais du coup j'ai fait je ne sais combien de rangs supplémentaires. Donc voilà, donc je le trouve chouette, il est terminé, la laine est d'une douceur absolue, la laine est vraiment jolie, très douce, voilà, donc il me tarde enfin de le donner, de l'offrir à ma belle-mère, parce que de toute manière les températures commencent un petit peu aussi à se radoucir, j'ai un souci parce que je ne sais plus dans quel sens je vais, et c'est dans ce sens-là, désolée, les températures commencent à se radoucir, donc forcément on va mettre un petit peu moins de châles, d'écharpes, de tout ça, donc mieux vaut tard que jamais. Donc voilà, ça et ceci est mon donc deuxième projet terminé. J'en avais beaucoup parlé, donc du coup c'est pour ça que je ne reviens pas vraiment sur tous les détails, mais je vous mettrai le lien sur Ravelry parce que j'ai plus en tête l'aiguille, quoique j'ai mes petites notes de la fois d'avant, peut-être que je l'avais gardée. Je l'avais fait en 3,5. Donc c'est bien de la Malabrigo socle. Voilà. Donc ça, c'est pour mon deuxième projet terminé. Mon troisième projet terminé, alors je suis désolée, pas très propre parce que je l'ai mis déjà deux fois. Je vous l'ai montré sur les réseaux sociaux. Hop, c'est mon pull secret d'Emily Louise. Donc de Atelier Emily. Hop, donc le petit détail hein, qui il fait pas bien. Le petit détail le plus en fait, bah, c'est cette outre ce petit truc infâme qui est ici, là, voilà, ce truc infâme qui est ici, mais qui ne se voit pas, bien sûr, quand je le mets. Voilà, donc c'est la petite dentelle qui est trop chouette, que j'adore. Ça fait pas très bien le point, là, vous la voyez bien. Et donc voilà, ce pull-là, je vous le dis tout de suite, en fait, hein, quand je fais des pulls, je ne rentre pas les fils qui sont à l'intérieur. Je sais, c'est pas très bien, mais je ne les rentre pas. Et derrière, ça ne se voit pas. Hein. Regardez. Derrière, ça se voit. On voit la démarcation, par contre, de quand je suis passée en rond, hein, et de quand j'ai tricoté à plat. Mais par contre, on ne voit pas hein, que ce petit bout de laine. Mais autant vous dire que quand je fais un pull, tous mes fils intérieurs, je ne les rentre pas. Voilà. Bref, parce que ça me saoule de rentrer des fils. Donc, je fais propre quand même hein, au bas des manches. Clic. La deuxième aussi. Voilà, je fais propre au niveau des manches. Hein. Là, on voit. Mais après, voilà, l'intérieur, je ne fais pas. Et puis autant vous dire que j'ai pas non plus repris le petit grafting du dessous. Voilà, clairement, je passe pas ma journée avec les bras levés. Donc, ce sera pas. Donc, je l'ai fait. Voilà. Je suis désolée, il y a des petites bouloches. Pardon. Il y a des petites bouloches. Violettes qui sont mises dessus et vous verrez, c'est parce que hier soir en fait hier je portais ce pull et donc hier soir aussi, et j'ai tricoté mon projet en cours avec, et je pense que les petites peluches de l'autre se sont accrochées à celui-ci. Donc ce pull, comme je vous ai dit, c'est le pull secret donc de Atelier Émilie. Je l'ai fait
avec deux laines. La première, c'est la Brushed Alpaca Silk de Drops, coloris naturel. Et la seconde, c'est la Flora de Drops en coloris naturel aussi. Donc on a ce côté moelleux, doudou, génial. Je me rends compte que ma peau est de moins en moins sensible parce que j'arrive à le mettre sans rien dessous. Que quand j'avais fait le Il Grande Favorito, c'était mon premier pull que je tricotais. Il est moche à souhait, clairement, voilà. Il est horrible, mais ça me piquait. Oui, non. Le côté qui est le truc qui est super chouette en fait, hein, c'est ce col V avec cette petite dentelle. Ah oui, quand j'ai fait mon raglan ici, vois, c'est pas lui. Voilà. Je sais pas, j'ai foiré complet deux rangs. Du coup, ça fait un petit trou là. Voilà. Mais ça se voit pas à portée. Je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai dû. Je sais pas trop. J'ai dû louper un truc à un moment donné. J'ai pas dû être attentive sur un truc. Et puis, ça fait des trous. Bon. Clairement, oui, bon, oui, ça se voit, c'est là. Mais bon, portée. J'allais pas me retaper, tout défaire juste pour ça. Hein. J'ai fait donc la taille S. Pour rappel, donc c'est la première fois que je faisais un échantillon sur les conseils de Bidibabidibou. Donc j'avais fait un échantillon qui m'a permis effectivement du coup de me rendre compte qu'il fallait que j'utilise une demi-taille de plus, puisque du coup j'ai fait donc tout le corps en 4,5. J'ai fait les bas de manches et les côtes du bas en 4. Et j'ai fait la corde du col en 3,75. Donc la corde du col 3,75. Et ensuite, donc de l'autre côté, donc ça c'est sur le dos en fait, hein, il y a la corde. Et sur le devant, on a la dentelle. Donc voilà, donc la taille S. J'ai réalisé ce pull dans deux cales, pour deux cales. Le premier, c'est le cal Se faire des secrets du grenier de Malane. Du coup, qui commençait le 1er mars. Donc du coup, moi, je l'ai tricoté. J'ai commencé le 1er mars. En fait, j'avais commencé avant, j'ai tricoté. J'ai retricoté le 1er mars et je l'ai terminé le 18 ou le 19, quelque chose comme ça. Le 18, dimanche la semaine dernière. Super, donc voilà, vous avez bien compris. Ma fille va faire pipi, c'est génial, ça intéresse tout le monde. Pardon. Ce pull rentre aussi, donc je crois que je vous l'ai dit, pour 2018, je me suis inscrite au cal Culture de Pelote. Et donc ce pull rentre dans le thème 10, qui est Cale-toi dans le canap, qui est le thème où en fait on devait faire un projet qui rentrait dans un autre cal. Donc du coup on a le cal Se faire des secrets et le cal Culture de Pelote. Voilà. J'en suis plus que ravie. Je n'ai eu que des remarques positives sur ce pull. Vraiment, enfin, c'est un pull qui plaît à tout le monde. C'est même Marie de ma copine qui m'a dit qu'il était super joli, quoi. Donc bon. Voilà. Donc je suis vraiment ultra fan. Cette semaine, on avait des températures fraîches, donc du coup, j'ai pu le mettre. Maintenant, effectivement, voilà. Je pense que je vais le remettre à laver et puis je le rangerai, puisque je pense que là, on va aller vers des températures qui vont s'adoucir au fur et à mesure. Et donc, on est bien d'accord que là, cette laine, c'est de la laine qui tient bien chaud, donc je pourrais pas. On n'est pas sur un pull en fingering, quoi. Là, je pourrais pas le remettre. Donc voilà, du coup, pour mes trois projets terminés, je suis contente parce que grâce à ce pull, en fait, j'ai pu vraiment prendre une revanche par rapport au châle. Et donc, ça m'a vraiment remotivée pour mes projets à venir. Et puis, mes projets en cours aussi. Donc, dans mes projets en cours, j'ai deux projets en cours. Le premier, c'est voilà, ma paire de chaussettes du mois de février. Donc, c'est
Donc, j'ai pas fait grand-chose, je vous avouerai. Donc, j'ai monté, pareil, une quinzaine ou une dizaine de... Enfin, n'importe quoi. J'ai fait 64 mailles, comme d'habitude, puisque c'est comme ça que ça fonctionne bien. Ça ne veut pas faire le point, si. Ensuite, j'ai fait une dizaine ou une quinzaine, je ne sais plus, d'orang, de côte 1-1. Et ensuite, en fait, on a un petit point texturé. Je ne sais pas si on voit vraiment. Je ne sais pas pourquoi ça fait bleu, là. Aucun rapport. En plus, la laine est grise. Bref. Ça fait un petit point texturé. Voilà. La laine est exactement dans cette couleur. Elle est grise et blanche. On est vraiment sur une laine chinée, grise et blanche. Donc j'en suis, j'ai fait mon fiche lepsky-cils et j'en suis sur le coup de pied. Donc sur le coup de pied, quand j'ai un point texturé comme ça, je fais le dessous en jersey. Ouh, s'il te plaît. Voilà, le dessous en jersey et le dessus, je continue le point texturé. Ce projet, donc, qui est dans mes projets perso des chaussettes et qui rentrera aussi dans un thème du culture de pelote qui sera le thème 3, ménage de printemps. Pourquoi ça rentre dedans? Parce que cette laine, c'est de la laine Fil-Folk 50, je crois, de fil d'art que j'ai acheté en 2015. Quand j'ai recommencé réellement à tricoter, j'avais acheté cette laine fil d'art, fil folk, voilà, que j'en ai jamais rien fait. Et puis, je me creuse un peu la tête justement pour ce ménage de printemps, donc pour le thème. Et donc, j'ai choisi donc cette laine. Donc, c'est le coloris Pi du fil folk 50 de fil d'art. Donc, parce que j'ai acheté, donc, comme je vous disais, la laine en 2015. Et le patron, je ne vous ai pas dit, c'est un patron gratuit sur Ravelry qui s'appelle Petit Herbal Socks. Donc, je vous mettrai le lien aussi. Et ce patron, il était donc dans ma queue Ravelry depuis mai 2016. Donc, je me suis dit que pour les deux, ça faisait vraiment un chouette destache et ménage de printemps. Je tricote, mais comme toutes mes chaussettes, en 2,5. Et quand j'ai acheté en fait les aiguilles circulaires, je me suis trompée et j'ai pris des longues. Et c'est horrible en fait. C'est vraiment super compliqué parce qu'elles sont très longues. Mais bon, c'est jouable, hein, mais je suis plus habituée avec celles qui sont plus petites et du coup j'ai du mal à faire le magic loop avec. Mais bon, ça va aller. Donc voilà, donc ça c'est la première. Clairement, il faudrait peut-être que je me bouge un peu parce que j'ai pas fait la deuxième et que j'en suis que là sur la première. Et que si je souhaite castonner ma paire du mois de mars, il faut que je me dépêche puisque je n'ai qu'une paire d'aiguilles en 2,50. Voilà. Donc ça c'est mon encours, donc qui est dans une chouette petite pochette que j'ai faite, qui a été dessinée par-dessus par Elisa. C'est sympa. Merci Elisa. Donc c'est un petit Liberty et l'intérieur est rouge. Voilà. Mon deuxième encours, c'est aussi un projet. Parce qu'à côté de ces jolies pochettes, il y a aussi les pochettes que Bobbies réalise pour moi. Je suis une grande fan des chaussures Bobbies. Donc du coup, j'ai plein de sacs à projets Bobbies. Ouais. Donc, mon deuxième projet en cours, c'est un projet que je fais donc dans le cadre du CAL toujours et qui est pour Elisa. C'est le Dandelion Cardigan de Along avec Anna. Donc, je suis désolée, je suis en plein milieu d'un rang. Donc, j'en suis ici sur le. Hop, sur le. Je vais vous montrer comme ça. Voilà. J'arrive pas à bien vous montrer. Parce que du coup, j'ai un vieux reflet. Peut-être que comme ça, vous voyez mieux en fait. Donc, j'en suis ici sur le patron. Si vous montre comme ça, si vous voyez. Sais pas si ça va faire le point. Le point sur le point. Pas du tout. Un petit peu. Bon. Si je fais comme ça, moi, vous avez un peu la lumière et on va dire qu'on y va.
va peut-être un peu mieux. Je suis désolée, vraiment, je ferai tout pour que le podcast la prochaine fois soit vraiment réalisé dans de meilleures conditions. Donc, ce petit cardigan, je le réalise dans de la mérino extra fine de Drops. Non, ça ne peut pas. Si je me rapproche. Allez, Coco. Voilà. De la Drops Merino extra fine. Le coloris, c'est le 35. Je crois que c'est bruyère, mais je ne suis pas sûre. Bruyère foncé, bruyère. Je suis pas sûre du nom, enfin du nom de la couleur. Par contre, effectivement, le numéro, donc c'est le 35. Ça fait un petit côté aubergine, prune. Voilà. On est plus ouais, sur une couleur aubergine. Je le tricote en 4 ans. Et un 3,75. Donc j'ai pris aussi une demi-taille de plus pour le tricoter. Donc j'en suis là sur les répétitions du point. Donc en fait la spécificité de ce cardigan, c'est ce joli point qui est un point pissenlit. Voilà. Donc j'en suis là sur la partie texturée. Du point et j'ai quasiment réalisé une manche. Voilà. Alors comme ça me saoule de faire des manches, j'alterne entre les manches et le point, enfin le bas du, c'est un bottom-up, donc le bas du cardigan, et puis pour que les deux soient finis, enfin pour que ce soit fini, pour quand je vais monter les manches. Voilà. Donc cette laine, moi je suis absolument fan, hein, elle est géniale pour les petites layettes comme ça, c'est extraordinaire, elle est vraiment chouette. Je ne sais pas si j'en aurai assez par contre parce que donc j'en ai fini déjà. Donc là j'ai déjà fini une pelote. Donc 2, 3, 4, j'en ai 5 exactement, j'en ai 5. Donc bon. On verra, j'espère que j'en aurai assez. Sinon, ben, j'en rachèterai une, mais ce ne sera pas le même bain. Donc, du coup, j'espère qu'il n'y aura pas trop de démarcation si jamais je dois rajouter une pelote. Donc, on est sur des côtes torses. Non, même pas. Je crois que c'est des. Si, ça doit être des côtes torses. En bas. Donc en bas du cardigan et en bas des têtes mieux en fait sur la manche. Et en bas de la manche. Je suis désolée, la lumière est en train de disparaître. Bientôt nous serons dans la nuit. Ça donnera un petit côté mystérieux à ce podcast. Ça sera chouette. Voilà. Donc, je vous disais, je réalise donc ce petit cardigan dans lequel aussi culture de pelote. Et là, par contre, il faut que je reprenne ma petite fiche qui sera le thème numéro 4 le thème 4 qui est première floraison. Puisque, comme je vous disais, le point c'est un point pissenlit. Donc, on est complètement dans le thème des petites fleurs. Voilà. Donc, avec ce joli point pissenlit, je validerai. Enfin, oui, j'espère donc valider le thème, donc première floraison. Je suis vraiment super contente de ce patron. C'est la première fois que je tricote un patron de Anna, donc de Longue avec Anna. Il est vraiment super chouette. Je vous le recommande. C'est pas compliqué. Il faut juste prendre le coup de main sur le point pissenlit. Mais elle renvoie sur une vidéo qui est super bien faite. Donc vraiment, c'est pas du tout compliqué. Voilà. Après, on est sur du bottom-up. Donc après, ça, c'est. Ça, comment dire, ça dépend des personnes, c'est pas forcément la construction préférée de tout le monde, mais bon, ça reste faisable, surtout pour un petit cardigan comme ça en taille 4, ça passe bien quoi.
Donc voilà, donc ça c'était mon deuxième projet en cours. Je n'ai donc pas d'autres projets en cours parce que finalement j'aime bien en fait la construction du cardigan, ça passe bien donc du coup je reste dessus en fait. Voilà, des fois j'alterne, j'aime bien alterner parfois les projets, mais là je suis assez contente sur celui-là donc voilà. Tant pour l'instant, j'ai pas envie de passer à autre chose, je continuerai jusqu'à ce que je le termine celui-ci donc ça sera peut-être un mono en cours puisque là les chaussettes, je sais pas, ça. En fait, je sais pas, c'est la laine, je pense, qui est tellement rêche, mais bon, voilà, ça me permet de la destacher aussi. Donc, ouais, il faut juste que je me remette dessus. Donc, pour les projets à venir, maintenant, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai décidé vraiment de mettre la laine avec un projet en cours, avec un projet à venir, les préparer et les mettre directement dans un sac à projet. Comme ça, je sais que cette laine a déjà un projet prédéfini et qu'ils sont déjà dans un sac à projet. Et donc, si jamais j'ai envie de changer, juste à prendre mon petit sac et castonner ou tout du moins avancer. Donc là, il n'y en a aucun qui sont castonnés, hein, mais voilà, je vais vous les présenter. Donc, les chaussettes que je vais faire du coup pour le mois de mars, je vais donc utiliser la Fabel de Drops. Alors, beaucoup de personnes trouvent qu'elle gratte, effectivement, c'est pas les. C'est de la laine un peu plus rustique hein, que d'autres. On est sur 75% de laine et 25% de polyamide. Et donc, donc ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand j'achète, enfin, j'allais dire de la belle laine à chaussettes, oui, il n'y a pas que la belle laine à chaussettes, mais là, tout du moins, c'était de la belle laine à chaussettes. J'avais monté donc une paire de chaussettes 2015-2016, je ne sais plus. Et donc, ça, en fait, ça, 2016, du coup, parce que ça doit être un cadeau de Noël que j'ai eu en 2015, et donc j'ai fait la paire de chaussettes en 2016, et donc il m'est resté 7 balles. Et avec cette balle-là, j'avais déjà fait une paire. Donc, en fait, là, je vais faire des chaussettes, des Broken Seed Stitches Socks. Et donc, j'en ai déjà fait une paire, et en fait, j'ai assez pour en refaire une. J'ai assez de grammage sur celle-ci. Donc, l'objectif, c'est de faire les côtes, la pointe et le talon en blanc. Et après, c'est un plan qui se fait à deux couleurs. Donc, du coup, tout le point texturé se fait avec les deux laines. C'est un patron qui, de mémoire, me semble, est gratuit sur Ravelry. Et voilà, c'est super intéressant. Cette laine, c'est de la laine Dyed in the Wool. Et le coloris, à mes souvenirs, je crois que ça s'appelait Prime's Party, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si elles font toujours cette couleur, mais cette laine, elle est extraordinaire. Mais je crois que c'est la laine à chaussettes qui a le mieux tenu pour l'instant depuis que j'ai fait des chaussettes. Elles sont vraiment super, super chouettes. Donc ça sera un de mes prochains projets, donc les Broken Seed Stitches Socks. Donc mes chaussettes du mois de mars, donc il reste 6 jours pour les castonner. Ensuite, un des autres projets que je vais faire, c'est. Je vais vous en montrer plus. Je vais prendre tous mes projets. Je ne sais plus si je voulais montrer celui-ci, mais bon, je vous le montre. Je vous montre en même temps mon petit achat de mouton qui est un pins. Voilà, un petit pin's avec une balle de laine et des aiguilles. Et donc, une petite pochette que j'ai faite. Donc, pour celui-là, je vais faire avec ce projet-là. C'est pour faire un The Weeknd. J'ai pas encore fait d'échantillon parce qu'en fait, si je regarde les instructions. C'est fait pour être tricoté, blablabla. Où est-ce que je l'avais vu? Voilà. En 4,5, 5 et 5,5. J'ai acheté, donc, depuis que j'ai repris le tricot, un kit, voilà, un kit d'aiguilles high sharps. Et la plus grosse qu'il y a dans le kit que j'ai pris, c'est des 5.
Je vous ai déjà raconté mes petites aventures de Noël avec mon kit, justement, Haya Haya, que j'avais laissé dans mon sac à main. Et donc, à l'aéroport, on m'a demandé de l'ouvrir, de montrer, d'expliquer, blablabla. Dans tout ça, j'ai perdu une aiguille. J'ai perdu une aiguille 5. Donc, il m'en reste plus qu'une. Donc, du coup, il faut que je rachète une paire d'aiguilles 5. Et donc, du coup, je vais les acheter et je vais acheter des 5, des 5,5 et peut-être des 6. Mais bon, dans tous les cas, je vais les acheter des 5 pour pouvoir faire mon échantillon en 5 pour voir si ça fonctionne. Sachant que pour ce week-end d'air, je vais utiliser de la laine Eden Cottage Yarns. Et la gamme, c'est Hogwarts Decay et le coloris, c'est Rambling Rose. Du coup, moi, j'ai choisi donc de faire ce pull en Decay parce que donc Liz de Liz Taylor a fait ce pull en Decay. Donc, elle a pris cette gamme-là parce qu'elle l'a fait en Eden Cottage Yarn aussi en Hogwarts Decay. Et donc, je vais faire un échantillon. Si mon échantillon n'est pas bon, j'utiliserai cette laine-là pour un autre projet, il n'y a pas de souci. Et puis, j'achèterai de là une autre laine pour faire celui-ci. Donc, j'en ai quatre. J'ai quatre échevaux, dont deux que j'ai bobinés. Donc, j'ai quatre échevaux et normalement, ça devrait être suffisant. Sachant que, voilà, on est sur un coloris vieux rose. Quasiment ce que vous voyez à la caméra. Peut-être un poil plus foncé qui tire jusqu'au plus clair. Donc celle-ci, en fait, il faudra vraiment bien que je fasse des comment que je tricote un rang sur deux parce que voilà, là, elle tire vraiment sur le blanc celle-ci et sinon ça se verra trop. Donc si je veux pas avoir de grosses taches de blanc à un endroit. Donc voilà. Donc ça, c'est un futur projet qui rentrera dans le cal culture de pelote. Dans le thème 9, je mettrai bien un petit pull noir. Voilà. Ensuite, et donc en même temps, ça reprendra un des achats que j'ai fait lors de la ES. J'y allais essentiellement en fait pour acheter des laines de chez Laine Amourée. Et donc ça a été une belle rencontre puisque du coup j'ai bien pu discuter avec Pauline sur son stand donc Laine Amourée. Et donc du coup j'ai acheté de la laine pour faire un châle et le châle ce sera le Peachy Shawl de Suzanne Sommer que je vais faire dans ces coloris-là. Donc on a du rose pâle, du gris clair, du gris foncé et du fuchsia. En fait, je savais, ces trois couleurs-là, je savais que j'allais les utiliser. Enfin, c'était les trois couleurs que je voulais pour faire le châle. Je voulais un châle en fait rose et gris, puisque le châle que je me suis fait dans ces tons-là, c'est Elisa qui le porte. Donc mon Brioum, c'est en fait Elisa qui le porte au quotidien. Et du coup, je m'étais dit que je rajouterais. Alors, la couleur, elle est, c'est pas la bonne, hein, vous voyez. Elle est vraiment pas comme ça. Elle est plus fuchsia, là. Vous la voyez limite rouge, j'ai l'impression. C'est pas vraiment ça, la couleur. Donc, voilà. Donc, du coup, sur les conseils de Pauline, en fait, j'ai rajouté celle-ci. Et pour faire la quatrième couleur, j'ai rajouté ce coloris qui est beaucoup plus foncé que celui-ci. Donc, la gamme, c'est de la Gaïa, qui est de la 70% Mérino, 30% soie. Donc, le coloris le plus foncé, c'est Un lundi dans la brume. Le gris clair, c'est Du vent dans les cendres. Le coloris fuchsia framboise, c'est coulis de framboise, justement. Et le rose pâle, c'est caresse d'une licorne. Donc, avec ces quatre coloris-là, je vais faire donc le Peachy Shawl, qui est un châle avec de la brioche, avec du point brioche. J'ai fait des essais de point brioche, c'est la catastrophe. Donc, du coup, sauf que j'ai fait des essais avec ça.
Donc en fait, ça a commencé un petit peu, je trouve, à abîmer la laine, à la feutrer un petit peu sur certains endroits. Donc du coup, je ferai des essais avec de la laine que j'ai en stock, des restes de laine. Vu comme je disais l'autre jour, je ne sais pas trop quoi faire encore de tous ces restes de laine, mis à part peut-être un châle comme fait Ambion aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle a utilisé plein de restes de laine pour faire un grand châle. Et donc effectivement, je ferai peut-être ça puisque j'ai beaucoup de coloris qui sont dans les mêmes tons. Maintenant, je l'utiliserai aussi pour apprendre à bien maîtriser ce point brioche et puis me lancer dans la confection de ce châle. Donc, ce châle rentrera lui aussi dans le cal culture des pelotes qui sera le thème 6 en pleine mer 2, trois petits points. Et donc, nous, on sera en pleine mer 2, brioche. Voilà. Donc, du coup, ça, c'est un futur projet, un futur projet à venir. Toujours dans les projets à venir, j'avais déjà commencé cet été, puis je ne sais pas pourquoi, je l'ai arrêté parce que je sais pas, enfin, bref, j'avais plus envie de le faire à ce moment-là. En fait, je vais reprendre du coup le Anna Summer Cardigan de Petite Knit pour Elisa. Et donc, je vais lui faire en coton mérino. On est, voilà. C'est presque la même couleur. On est sur un bleu glacier, je crois. Le coloris, c'est. Elle est déchirée, celle-ci. Le coloris, c'est le 29. Et je crois que ça doit être bleu glacier. Donc on est sur 50% de coton, 50% de laine. Donc ce sera parfait là pour le printemps d'avoir cette petite combinaison mérino coton. Très bien. Donc j'ai 6, 2, 2, 4. Ouais, j'ai 6 balles de laine. Donc là, je vais faire un Anna Summer Cardigan de Petite Knit. Je l'avais commencé, je l'avais arrêté, mais je vous en ai déjà parlé parce que ça sera pas le premier patron de Petite Knit que je fais. Et ces patrons sont. C'est pas toujours clair en fait, ces patrons. Faut se creuser un peu la tête. Il manque parfois des explications, ça renvoie pas bien au bon endroit. Je sais que Anna, de Along avec Anna, elle l'a fait. En fait, elle nous prévient dans une des explications qu'elle a faites qu'il faut bien se référer au bon schéma qui est à la fin. Donc voilà, c'est toujours un peu brouillon, je trouve, ces patrons. Cependant, le projet fini en lui-même est super bien. Donc, je suis super contente de tous les projets de petites nids que j'ai faits. Donc, du coup, je continue à en tricoter, hein, mais j'essaye d'être beaucoup plus attentive. Donc, je lis déjà une première fois le patron. Voilà, je me mets des annotations si besoin. Et puis après, en avant, j'attaque le projet en lui-même. Ce projet-là rentrera lui aussi dans le cal culture de pelote. Le thème, je crois que c'est le 7. Je vais vérifier. Petite note. Le thème, c'est ça, c'est le 7, c'est dans les champs de coton. Et donc, du coup, bah, on est dedans, hein, puisque moi, je vais utiliser de la laine qui est 50% mérino et 50% coton. Voilà. Vous voyez que j'ai quand même pas mal de projets pour lesquels je suis déjà très. Enfin, des projets très précis qui sont en cours et puis pour certains bah, qui vont rentrer effectivement dans le cadre de ce long cal annuel. Donc voilà, donc je pense que j'ai un peu balayé tous les différents points, projet en cours, projet terminé, projet à venir. Je vais vous montrer les autres achats que j'ai pu faire à l'AEF, qui, donc les trois prochaines laines sont elles aussi pour faire un châle. Donc ce sera un châle tricolore. J'ai acheté ces laines donc, sur le stand de Lee Louisel. Donc c'est des laines de la Féfil pour deux d'entre elles. Donc des laines de la Féfil. Ça c'est le coloris Touareg. Donc c'est un bleu foncé, du plus clair au plus foncé. Là vous voyez, il est très très vif, il n'est pas si vif en vrai. Hein. Touareg, donc c'est du 100% mérino. Avec, donc j'ai pris le coloris du vent sur les cendres.
Ah, je me suis peut-être trompée du coup sur le coloris que je vous ai donné de laine amourée, je crois que je vous ai dit ça aussi. Bon, je vous dirai au cas où, je vous mettrai si c'est pas le bon. Donc ça, c'est du vent sur les cendres qui lui aussi est du 100% mérino, donc ça nous fera ceci. Donc ce coloris-là est superbe, c'est un blanc cassé beige avec des speckles de bleu noir, un petit peu caramel. Voilà, je le trouve vraiment magnifique. Et pour aller avec ces deux couleurs, j'ai pris un gris à paillettes. Vous voyez, on voit un petit peu les paillettes. De l'île Oiselle. Et la gamme, c'est l'île Bling. Et le coloris, c'est après la pluie. Donc, on est vraiment sur un gris. Voilà, qui part du plus clair au plus foncé avec de la stellina argent. On voit un petit peu ça brille. Donc voilà, donc ça donnera ceci. La seule chose, c'est que pour l'instant, je n'ai pas trouvé de modèle de châle qui me plaît et qui serait un modèle tricolore. Parce que j'ai perdu le nom des châles de André Amaury qui me plaît bien, mais c'est un bicolore. Donc du coup, voilà, je sais pas trop, j'attends pour l'instant. Je vais pas me jeter, de toute façon j'ai assez de projets comme je vous ai montré. Donc je les mets pour l'instant de côté, en attendant d'avoir vraiment un projet qui me tape vraiment dans l'œil et que je me dise, c'est lui que je vais faire pour ces laines-là. Voilà. Donc les laines La Fée Fil, L'Île Oiselle et Laine Amourée, c'est les laines du coup que j'ai achetées à l'AEF. À côté de ça, j'ai reçu, donc je vous avais dit le mois dernier, Julie, c'est Julie de Trélise. Julie ou Lise? Je suis désolée, je ne sais plus. Bref. De Trélise avait organisé un petit concours sur son Instagram. Donc j'ai gagné. J'ai gagné donc un abonnement de 3 mois. Et donc ceci, c'est le coloris que j'ai eu sur le mois de février. La gamme, c'est la gamme Arès, qui est 75% super wash mérino, 25% de nylon. Et le coloris, c'est Do You Trust Me? Voilà. J'aime beaucoup ces différentes nuances de bleu qui vont jusqu'au violet. On a un petit peu ici aussi des speckles jaune-orangé. Voilà, j'aime vraiment beaucoup ce coloris. Pour l'instant, je ne sais pas ce que je vais en faire. Donc, ce sera sûrement un châle. On verra dans les mois à venir. Ensuite, je crois que je vous l'avais dit, je me suis pris un abonnement chez The Cozy Knitter. Un abonnement chaussettes et donc j'ai reçu, je sais plus en fait si je vous avais montré mon, je vous le remonte vite fait, mais celle que j'ai reçue, le club donc de janvier. Donc ça c'est le club de janvier qui a un coloris quand même assez masculin. On est sur du beige, marron, bleu clair et bleu foncé et le petit écheveau et bleu, donc c'est un des bleus qui est à l'intérieur, hein, un petit bleu un peu foncé. Ça, c'était la gamme Bliss et le coloris, c'était Back to Business. Donc ça, c'est le club de janvier. Le club de février, on est sur un coloris un petit peu plus fantaisie. Donc c'était le coloris un petit peu Saint-Valentin. Donc c'est toujours la gamme Bliss. C'est 80% superwash merino et 20% de nylon. Et le coloris, c'est Sweetheart. Et voilà, donc on est sur du rose, orangé, corail, du bleu un peu turquoise qui tire vers le bleu vert d'eau, puis un petit bleu un peu plus foncé. Et le mini skin, c'est du rose. Et donc le club de mars qui va me servir pour mes chaussettes du mois d'avril, puisque je sais déjà celles que je vais faire. Donc c'est, ça je vous mets un endroit, c'est des, je sais pas si vous voyez, donc on a de la stellina argent dedans. Je me rapproche, vous voyez.
Donc ça, c'est la gamme Shimmer avec 84% Super Wash Merino, 16% de Stellina Argent. Voilà. Et donc, le coloris, c'est Bouquet. Oh oui, là, vous voyez, c'est quasiment ça. Donc, on est sur du vert, du rose, de l'écru, du violet. Et le petit écheveau, c'est un violet. Donc, les deux ont de la Stellina argent dedans. Et donc, avec celle-ci, je vais monter les chaussettes Wood Nymph. Par contre, j'ai un doute de. Je crois que c'est de Little Bobine qui a un podcast et qui fait aussi donc des designs, notamment des designs de chaussettes. Je voulais vous montrer. Donc c'est ça, c'est Wood Nymph Socks. Et non, je vous ai dit non. Non, ça ne doit pas être elle. Ça ne doit pas être de Little Bobine. C'est de This and My Life. Non. Attendez, je vous dis n'importe quoi. Oui, si, c'est ça. Et donc, les chaussettes, c'est celle-ci. Ouh, quel joli reflet. Est-ce que ça va faire le point ou pas? Oh bah, super. Voilà, super. Donc voilà, ça va être celle-ci. Donc ça va être mes chaussettes du mois d'avril. Donc voilà. Donc je me suis dit que ça tombait bien. Wood Nymph, avec ce petit motif floral. Et puis ça sera chouette. Voilà. Donc voilà à peu près pour... mes achats, mes projets terminés, mes projets en cours et mes projets à venir. J'aurai pas mal d'autres projets parce qu'effectivement, il me manque des projets pour déjà rentrer dans le thème du. Enfin, pas dans le thème, mais dans le cas culture d'épaulette, il me manque des thèmes. À savoir que là, cousine de, enfin le cousin plutôt de mon mari et sa chérie attendent un bébé. C'est un petit garçon. Donc j'ai déjà choisi ce que j'allais lui tricoter. J'ai commandé la laine ce matin chez Calidou, puisque ce sera, je vais faire, comment, en temps, je mets ce que je vais vous montrer. J'ai commandé donc de la Baby Merino et de la Merino extra fine pour faire ces trois projets-là. Donc, en fait, ce sera plus simple, je vais vous les montrer comme ça. Donc, le premier projet, ce sera. Ils ont disparu, donc c'est génial ça. Pourquoi j'arrive pas à les voir? Voilà. Donc le premier projet, ça sera un Augustin de Hung avec Anna, toujours. Donc c'est un petit gilet tout mignon avec un col pour les petits mecs. Voilà. Avec du point de blé. Donc je vais lui faire celui-ci. Le deuxième projet, donc celui-ci, donc le Augustin, je vais le faire donc Baby Merino, en Baby Merino, et dans un, j'ai l'impression que c'est un nouveau coloris. Le numéro, c'est le 47. Je vous montrerai quand j'aurai reçu la laine. Ensuite, donc ça, c'est le premier gilet. Ensuite, je vais lui faire un deuxième gilet qui s'appelle Simon. Donc, le nom du patron, c'est Simon et Simona de Elena Nodel. Ça faisait un moment que je l'avais dans ma cure Ravelry et je me dis que c'est une bonne occasion. Donc, il est comme ça. Voilà. Donc, je vais lui faire ce petit gilet. Enfin, ce petit pull plutôt. Donc l'autre c'est un gilet, celui-là c'est un pull. Donc Simon. Et je vais lui faire ce petit pull Simon en mérino extra fine. Et donc là pareil, c'est, j'ai l'impression, une nouvelle couleur, un bleu aussi.
Bon, je suis restée assez basique, hein. J'ai fait bleu. Alors, ce n'est pas les mêmes bleus, hein, j'ai choisi. Mais j'ai fait les deux, donc le cardigan et le pull bleu. Et le troisième petit projet que je lui ferai, c'est un bonnet. Donc là, ça sera pour l'hiver prochain, forcément, hein, parce que là, il va naître au mois de juillet. Hein. Là, on est bien d'accord que ça ne sera pas pour maintenant, mais bon, c'est pas grave. Je vais lui faire, et donc je vais lui faire en gris foncé, en mérino extra fine, en baby mérino. Ok. Voilà. Et donc, ça s'appelle, le patron s'appelle Bumble de Tin Can Knits. Voilà, donc ça, du coup, c'est les trois petits projets que je vais lui faire donc, en cadeau de naissance. Donc, je pense que je vais recevoir la laine cette semaine de chez Cadidou. Je vais d'abord terminer le cardigan d'Elisa. Et quand je l'aurai terminé, j'attaquerai un des deux pulls, enfin, soit le cardigan, soit le pull. Je ferai un autre projet, je ferai le deuxième, un autre projet et le bonnet. Sachant que comme il va naître au mois de juillet, il me semble qu'il est prévu plus pour mi-juillet. Donc, il me reste 3 mois et demi. Donc voilà, donc en 3 mois et demi, je pense que j'aurais fait les deux petits pulls et cardigans et le petit bonnet. Donc ça c'est donc dans mes prochains projets que je voilà pour lesquels je vous montre comme ça puisque j'ai pas encore reçu la laine. Voilà, je pense que j'ai fait un grand tour de tout ce que j'avais à vous dire. Je m'excuse encore donc de tout ce décor qui n'est pas un décor de voilà c'est mais bon ça m'a permis de tourner et de vous montrer tout ce que j'avais à vous montrer. J'espère que la prochaine fois ce sera dans un autre endroit qui sera plus sympa où j'aurai pas cette lumière orange au-dessus de moi et puis où ce sera plus chouette à vous montrer. Je vous souhaite en tous les cas de jolis projets à venir, un très bon mois puisque je pense que je tournerai au mois de avril, fin avril sûrement, sachant qu'au mois d'avril je pars une semaine en vacances chez ma maman, je tricoterai mais j'aurai peut-être un rendement un peu moins fort. Quoique, je prendrai quand même quelques projets avec moi pour les avancer. Donc, je vous souhaite plein de bonnes choses, une bonne fin de dimanche, un bon appétit, sachant qu'il est 8h-20. Bon appétit si vous allez manger. Enfin, oui, vous allez manger dans tous les cas, forcément. Bon mois de projets, tricot, broderie, etc. Couture. J'ai repris, je fais un petit parallèle, et j'ai repris très rapidement la couture. Vous voyez la robe que j'ai faite ici pour Elisa. Pour l'instant, je reste que tricot sur le podcast. J'ai repris donc la couture et la broderie. Peut-être que le mois prochain, je vous montrerai un peu plus, sachant que la robe, il me reste plus que l'ourlet à faire. J'espère que voilà, j'aurai plus de choses que ça à vous montrer le mois prochain. Si c'est le cas, peut-être que le mois prochain sera un podcast couture tricot. Sinon, on restera sur un podcast essentiellement tricot. Donc, à très vite, merci de m'avoir suivi, je vous embrasse bien fort et puis je vous dis au mois prochain. Salut, bye bye!